Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 juillet. Actuellement 8h15, j'arrive pas aujourd'hui. 8h15, on va aller à notre excursion qui a été annulée et après j'en ai repris une autre avec une autre compagnie pour pouvoir aller à Rétimnon et Lacanet et le lac de Cournas. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Puis tout de suite, un bout de ficelle, on adore. Du coup, let's go. C'est parti. On va se prendre un café. Ah, tu veux une boisson, Mimi? Une boisson? J'ai soif. Attendez. Non, je vais mettre là que la vue magnifique, vous ne voyez absolument pas. Elisa augmente la luminosité. Bon, le débrief de ce matin. On était quasiment les derniers à aller chercher. Donc on va en direction de Rétimnon. Et le guide, il est trop beau. Genre vraiment, enfin, tous les Grecs sont beaux, je trouve. Mais alors lui, il a une voix en plus ASMR et un accent. On comprend pas ce qu'il raconte en français. Heureusement qu'il y a l'anglais, vraiment. Il galère un petit peu et tout, mais il est hyper mignon et il est trop chaud. Genre, direct qu'on s'est installé, direct il nous a parlé en mode oui, on va faire un arrêt technique et tout. Alors que 5 minutes après, il est redit au micro, tu vois, tout ça pour nous voir de plus près, voir si on était vraiment belle et tout. Oh, on était trop belle. Du coup, impossible de dormir dans ce car parce que j'ai pas envie qu'il me voit avec la bouche ouverte. Bad bitch toute la journée. Et du coup, c'était très compliqué quand il nous parlait parce que vraiment, on avait envie de dormir. Il y a une voix ASMR horrible. Genre vraiment, c'est hyper dur. 10h moins le quart, on fait un arrêt technique. Comme il le dit, avec une super belle vue derrière là. Avec un café, un cappuccino de bœuf. Il est bon ton mange d'ange? Goûte, il est trop bon. Ah, elles sont bonnes. Les oranges ici, elles sont bonnes. Donc, voilà, des bad bitches toute la journée. Oh, il arrive, il est trop beau. Mon dieu. Oh, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Je ne vois rien. Nous sommes arrivés à Rétimnon. Ah, mais ils ont encore des petites bites. Nous sommes arrivés à Rétimnon. Le guide est toujours aussi beau et il me voit toujours aussi à ses mères. Ah, Mimi, regarde! C'est quoi comme fruit? Ah, c'est juste des fleurs. Ah, ok. C'est trop mignon. Très vieille ville, j'adore. I need you, what? Crème solaire. Ah, yes. Burning, You're burning very well. C'est ça que je regardais en fait, les trucs de toutes les couleurs là. Il y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais j'en ai vu des plus colorés. J'ai envie de pisser sa mère. C'est beau. Oh, regarde comme c'est beau. C'est beau ça. Oh, viens, on se perd. Oui, bah oui. Allez, viens, on va se perdre. J'aime beaucoup trop, c'est magnifique. Et il n'y a personne en plus. Oh, je vais prendre une photo avec mon téléphone, c'est pas possible, c'est magnifique. Hein. Oh, wow. Vraiment, c'est trop chou. J'aime trop les petites rues comme ça, là. Oh, ah, c'était là où je me suis perdue quand j'étais sur Google Maps, là. J'ai mis Rétimnon, je suis arrivée ici. Parce que je reconnais les petits bateaux, là. Je chiale. Baklava, mais c'est pas de chez eux les baklava, ça me perturbe hein. Toujours ouais. Autant. Bah oui, à part s'ils ont revisité la recette, j'en sais rien. Oh, Mimi. Attrape touriste. Ah bah ouais. Mais si, je t'ai dit Mimi, t'as pas réagi. Mimi, parce que t'as pas réagi Mimi. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup trop, ça fait vraiment très ancien, très... avec les petits arbres, les couleurs et tout, ça fait super joli, je trouve. C'est magnifique. Même les bâtiments, ils sont en pierre. C'est super joli, trop mignon. Bon, il faut qu'ils nous attrapent, faut des trucs. Voilà, tu vois, ça, c'est un attrape-touriste. Tu vois, il y a des statues, on va vérifier le prix des statues, Mimi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est magnifique. Bon, les gars, je me suis pas fait arnaquer. 78€ la petite et moi j'ai payé 65 la normale. Chaque fois on se rassure quand on peut. Mais c'est super beau. Oh, le Zeus là-haut il est waouh, il est super beau celui-là. C'est vraiment trop mignon.
Waouh. Ah, il y a des aimants, Mimi. Ils sont bizarres, leurs aimants ici, Mimi. Putain, c'est incroyable. C'est des savons en forme de bite. Je vais offrir ça à mes voisins. 3,50. Je prends laquelle est la grosse. Pourquoi il n'y a pas une bite noire? Ah, putain, si. C'est trop mignon. Avec les petites... Les petits trucs, ils nous parlaient d'un carnaval, je sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a ça, qu'il y a ce genre de décoration. C'est super joli. Même les portes, elles sont belles, je trouve. C'est une boulangerie qui fait des... C'est quoi tu m'as dit des croissants des... C'est pas des croissants, mais espèce de pain, ouais. En forme de... C'est trop beau. Ah. C'est trop chou. Bon, on s'est perdu. Elle m'a trouvé un fort. Ah, oh, c'est beau. Mais on cherche des toilettes. Je sens qu'on va pisser entre deux arbres, Mimi, là. Je le sens bien. Bon, on a trouvé des toilettes. On est allé chier à deux. C'était vraiment extrêmement génial. Du coup, là, c'était le fort. On peut pas y aller parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps ici. Une heure et demie, c'est vraiment pas suffisant, pour une fois. Alors que d'habitude, c'est suffisant. Donc là, c'est le fort. C'est... J'avoue, il est bien, la trappe touriste. En plus, il y a plein de figurines. Oh, c'est chaud. Oh, 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 oh. J'aime trop les trucs comme ça. Oh, mais c'est trop fin, ça. Oh, j'aime trop. Il y a tellement de choses, de magnettes. Mais je me demande si je veux. Ah, toi, il y a ton taureau là. Qu'est-ce que c'est beau. Mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est des magnolias, non? Je sais pas ce que c'est. Mais c'est super beau, ces fleurs là. Incroyable. Tout est beau dans les moindres détails. C'est super joli. Ouais, c'est vraiment une belle ville. Je préfère au niveau beauté, je préfère ça. Ça fait très old. Ouais. Je préfère Rétimnon, non, tu vois. C'est moins chic. Ouais, clairement. Oh, elles sont trop belles en plus, les fleurs. Oh, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Mélange de blanc. Et de rose. C'est super joli ça. C'est une terrasse végétale genre. Un parasol végétal. Je sais absolument pas où est-ce qu'on est. Mais on est quelque part. Ah, il y a une fontaine, Mimi. Ouh, ma caméra, monsieur. Ne m'envoie pas d'eau à moi, s'il te plaît. Ah merde, c'est des Français. Ils ont dû m'entendre. Je chiale. C'est vraiment super joli. Avec tous les palmiers et tout, ça fait vraiment penser à Perpignan, Argelès, Narbonne. C'est très très beau. Très très beau. Bon bah je pense que je peux le dire, c'est vraiment une très 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 belle ville. Il y a énormément de choses à voir, dommage qu'on n'ait vraiment pas le temps. Mais c'est magnifique, vraiment c'est très 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 très, très beau. J'ai pris avec le bateau, c'est trop beau. C'est quoi? Ah ouais. Trop mimes. Ouais, c'est super beau. Oh là là. C'est sublime. Donc là, il est 11h50, donc il faut qu'on se dépêche de regagner le bus parce qu'on va partir vers la Canée. Et là, on aura un peu plus de temps, on aura 3h, donc on pourra manger là-bas, se poser un petit peu, peut-être dans un resto, on verra. Il y a mon haut qui est en train de se barrer. Il y a un téton qui va sortir. Tout va bien. Bon, nous sommes arrivés à Hania, la Canée. On va essayer de ne pas se perdre, on va essayer de manger parce qu'on a extrêmement faim. Et ça paraît un peu plus ville. Ville un peu plus civilisée entre guillemets. Fais gaffe, ça glisse, Mimi, c'est du marbre. Ma soeur, elle est arrivée en claquette, genre au calme. Moi, je suis en basket. Elle va se casser le coccyx. Et le guide, il est trop mignon. Oh mon dieu. Il m'a vu dormir la bouche ouverte. J'étais trop gênée. C'est beau. Mais je préfère quand même Rétimnon. Vraiment, c'était trop beau. Attends,
Je sens déjà la vibes, tu vois. Je sens la vibes de H&M, Zara, tu vois ou pas? T'as pas ça, arrête-t-il, non? Ah, c'est Mims. C'est choupi. Oh là là, c'est beau, avec la petite fontaine et tout. Ah, Mimi, regarde tous les magnettes. Waouh. Il y a plein de magnettes, Mimi. Oh, des magnettes. Oh, regarde celui-là, il est beau. Oh, il y a des statues. On va voir les statues. Alors on est arrivé sur l'allée principale. Il y a une petite church juste là. Elle est trop mignonne. Et normalement il y a le vieux port qui est juste en face. On va essayer de se poser et manger là-bas. On a les petites rues et on a découvert un Starbucks. Un petit réfraîchissement de citron vert, ça serait pas de refus. Et une petite fontaine avec un pigeon à l'intérieur qui vit sa meilleure vie. Ah, j'aimerais bien me mettre dedans, moi. Mimi! Oh, elle est bonne ou pas? Oh! T'as plein de bactéries, Mimi. Ah, mais pas ça sur moi! Les gens, ils se baignent dedans. Bah oui, c'est génial. Bon, on regarde les cartes? Ouais. Moi, je penche pour une vue mer. La vue mer est là-bas, de ce côté-ci. Comme ça, on a du vent. Voilà, c'est ça les maisons que je cherchais, Mimi. Super beau. Vraiment, c'est magnifique. Oh mon dieu, j'aime trop ces maisons pleines de couleurs là. Elles sont archi belles. Oh là là. Ah, quelle vue incroyable. On vient de se poser dans un restaurant, je ne sais pas le nom. Voilà, peut-être que le nom vous parlera. Voilà, incroyable. Il est trop mignon. Vue mer, il n'y a personne devant nous, il y a un ventilateur derrière moi, incroyable. Et on a de la musique de merde. Je veux manger une salade grecque avec de la feta. Il va me saouler vite le gamin. Trop bing. Cheers. On va acheter un magnet. Non. Si. On va acheter un magnet. Oui. Non, c'était bon quand même. Ouais, c'était bon. C'était bon. J'ai bien aimé. C'est beau. That's beautiful. Hein. Oh, beautiful right there. Je te suis, Mimi. Qu'est-ce que t'appelles? C'est notre touriste, t'appelles? Du coup, on va apprendre à notre guide une chanson incroyable. C'est j'ai la quête qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. On va lui apprendre ça. Parce que il faut lui apprendre notre culture qui est très importante, très riche et très, très poussée. Il y a que des kikettes ici, c'est un truc de fou. Des kikettes de partout. Et le serveur a dit qu'on avait un accent très sexy. Voilà. Encore une fois, bad bitch is coming. Oh, enfin, un attrape-touriste. Oh là là. Mimi, il y a une bestiole non identifiée là. Il y a quoi? Une bestiole non identifiée. C'est une mi-mouche, mi-armée. Ouais. C'est trop beau. C'est super joli, avec le petit arbre et tout à l'intérieur, l'olivier, c'est super beau. Ouais, t'as vu? Bon, nous sommes arrivés au lac de Kournas. Il y a plein d'attrape touristes. Notre passion, c'est de faire les... Wow! On s'entend plus. Ah ouais, ils sont baignards là. Notre passion, c'est de faire des boutiques attrape touristes. À Paris, on ne les supporte pas, mais ici, on adore. Voilà à quoi ça ressemble. On peut se baigner, on peut faire du pédalo. Mimi, je vais faire du pédalo. Mais on peut faire des petits parasols sur les pédalos. Oh, c'est trop mimes, Mimi, non? Tu veux faire du pédalo? Ah, c'est beau, hein? Bah ouais, au pied des montagnes. Là. Ah ouais. Tu vois? C'est beautiful. Maximum 1 hour. Hello. Hello. Max, 1 hour? If you want, yes. Yes? Bon, ouais. C'est ça? You can go down if you want to see the boat. Yes, we can choose
My colleague will give you one for two. Okay, thank you. Yes. Okay, it's here to pay or? Yes. À part du pédalo. I like it. Bon ben voilà. Bon ben voilà, déjà, ça c'est fait. Attrape touriste. C'est bon, on est niqué, on arnaque. Ah, c'est là? Hello. Allô. Johnny, là la barca, tu as la barca. Two person, yeah? Two person, yes. Okay, go inside. Go inside? Okay. Go inside, Johnny. Ah, il y a une putain de libellule. Ça me fait peur. On voit ce notre pédalo. C'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Oh, on aurait dû prendre la GoPro pour voir ce qu'il y avait en dessous. C'est magnifique. Mais en fait, l'eau, elle est vraiment belle. Hein. On aurait dû trop se mettre en maillot de bain et plonger. Et... Trop cool. Waouh. Elisa. Emily. J'aime trop. Je sais pas où on va, ma sœur, mais on y va. Ok. J'aime trop, c'est trop beau. Elisa. Ouais. Ok. It's 20 euros for the photo. C'est vraiment hyper agréable. Oh, j'en rêvais d'eau froide là. C'est magnifique. C'est le lac de Kournas. C'est une eau douce, naturelle. Voilà, c'est super joli. C'est magnifique. On aurait dû trop... Quoique, elle est froide quand même. Hein. Je me serais pas baignée, je pense pas. C'est magnifique. Trop beau. Bah si, je peux voir une méduse. Allez, vas-y, monte ta méduse. Arrête, tu me faire tes pitiés. Des bulles. C'est moi Mimi, c'est moi qui fais des bulles. Oh, j'ai peur. J'en peux plus. J'ai mal au ventre Mimi, j'ai mal au ventre. Mimi, viens, moi j'ai peur qu'on me chope le cul là. Bon, nous venons de nous mettre à poil et de nous baigner devant tout le monde. Non, j'ai gardé ma culotte, j'ai gardé mon fabuleux haut, ma sœur est en string culotte soutif. On s'est baigné 3 secondes, elle est très très claire et je regrette de ne pas avoir pris des masques. Ouais. Franchement ça aurait été super cool, bon, au moins la prochaine fois qu'on vient en Crète. Ouais après ça c'est optionnel hein. On oui. Se voit à poil, c'est bon hein. Est-ce qu'il y a des petites tortues ici dans le fond? Sauf que bah du coup on s'est fait niquer vu qu'on n'a pas de masque. Il y a aussi quoi Mimi qu'il avait dit? Des grenouilles, des canards? Non, il avait dit des tortues. Des tortues et des grenouilles. Son accent. Et on a rendez-vous dans 20 minutes donc il faut qu'on sèche très très vite avant de mouiller le bus. Oh le chien. Wow. Du coup il est 19h42 déjà. Il y a un chien qui fait qu'aboyer, j'ai envie de le... Je sais pas. Du coup, on s'est quitté à la fin du lac de Kournas, donc on a fait 1h30 de route. Est-ce qu'il peut arrêter d'aboyer ce chien? Mimi, dis-lui d'arrêter d'aboyer. Chut. Et du coup, on a eu un moment de gênance, hein, vraiment, parce que le guide, il est, enfin, comment vous dire ça? Moi, j'étais en kiff sur le guide, il était trop beau. Il était en kiff sur moi, ça se voyait. Ah, Mimi. Oui, à Donf, elle a dit. Enfin, il nous a fait descendre à la même station que lui, à Héraclion. Du coup, bah, c'est vraiment très gênant. Parce qu'il parle pas très bien français en soi. Franchement, on a plus compris en anglais qu'en français, donc c'était un peu compliqué. Mais donc, on est sorti du bus et on essaye de parler vite fait en français, mais on voit bien que c'est pas possible. J'ai dit à une prochaine fois, il a pas compris. Du coup, j'ai dû lui traduire en mode see you soon. C'était gênant. On aurait dit qu'il aurait voulu. Nous ramener à notre hôtel. Genre il était très très avenant et tout, mais un peu timide. Genre trop timide. Je pense qu'il n'osait pas. Sinon pour aujourd'hui, franchement, c'est grave amusé. Le karma fait bien les choses. L'excursion était moins chère que ce qu'on avait payé avant. Le guide était vraiment très bien, même s'il parlait pas très bien français. Mais pour Etimnon, c'était beaucoup trop court, 1h30, je trouve. Pour la canée, tout ça, on a mangé, du coup ça allait, il y avait 2h30 je crois ou 2h de temps libre. Alors quand c'est pas le chien c'est les scooters. Du coup on avait quand même assez de temps libre je trouve. Et puis la canée, je pense que
Enfin, c'est pas aussi joli qu'on croit, mais franchement, Rétimont, c'est très 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 beau. C'est une très belle ville. C'est une ville un peu plus jeune, discothèque, etc. Un peu plus vivante, entre guillemets. Du coup, c'était vraiment plutôt pas mal ce genre de petite ville. C'était vraiment très beau. Il y avait un forum qu'on n'a pas pu visiter. Mais franchement, très très beau pour le prix en plus. On n'a pas payé grand cher pour cette excursion-là. Et puis le lac de Cronas, je pensais que ça allait être un peu nul et tout. Et au final, on s'est grave, grave amusé. On a fait du pédalo, on s'est baigné à poil, ça nous a bien rafraîchi et franchement c'était super drôle. Et du coup moi pendant le retour il fallait pas que je dorme parce que si je dormais j'allais avoir la bouche ouverte et tout, et moi je voulais trop pas que le guide il me voit avec la bouche ouverte. Du coup je suis restée bad bitch pendant 1h30. C'est trop. On est rentré à l'hôtel, on a posé des questions à la réceptionniste qui était très très pisse, hein. Vraiment elle parle comme ça et tout. Et du coup on a demandé pour comment ça se passe pour demain, puisqu'on rend la chambre demain et on va à une excursion que on verra, enfin je vous spoil pas trop, mais ça va être une très belle excursion je pense. Je prendrai pas ma caméra, on prendra la GoPro pour vous dire. Donc on pourra laisser nos bagages, donc ça c'est bien. Et on pourra prendre une douche aussi après l'excursion, donc ça c'est vraiment cool, on pourra se changer et tout, donc ça c'est super pratique. C'était juste ça qui me préoccupait, c'est le niveau des douches, comment on pouvait faire, parce que l'excursion elle allait vraiment nous salir et on allait sentir vraiment des mauvais, du coup il fallait qu'on prenne une douche. On va aller manger un dernier petit resto. Ça y est, c'est notre dernier soir. Et on va aller regarder un petit peu les attrapes touristes. On va acheter du savon, je pense, parce qu'il y avait du savon qui était plutôt pas mal. Et j'ai aussi acheté plein de petits souvenirs. Donc ça, je vous montrerai à Paris les petits souvenirs que j'ai achetés. Voilà, écoutez, je me suis lavée, je me suis préparée et je vais faire la valise. Donc on a fait la valise, on essaye d'optimiser au maximum parce que ma sœur, elle a cette valise là pour rentrer chez elle directement, comme ça on va pas transvaser 15 milliards de fois les affaires. Il y aura juste ça à prendre, sa statue et d'autres petits souvenirs. Tu fais quoi, ça, hein? Oui, tu fais ça. Ah mais attends, c'est juste comme ça? Non mais MDR. Regarde. Mais ça va rien faire, Mimi. Mais tais-toi. Ils vont juste dire, mais remets ta main, attends s'il te plaît, remets ta main, attends s'il te plaît, remets ta main, attends s'il te plaît. Ça bug ton truc. Oh my god, c'est des fausses lignes, Mimi, t'as pas des lignes comme ça. Non, non, c'est... T'as mis la mauvaise main. Première. Ah putain, il y a un papier et tout. Voilà, tu peux lire le pronostic. Vie. Tu as vu jusqu'à 3000. Les problèmes sont origine de la tension nerveuse. Profite de la sagesse pour ton but. Tu dois un peu mieux te faire attention. Mais pour moins. Mieux. Parce que peut devenir facilement pantoufleur ou dandin. Je suis pas pantoufleur. Tu as d'aptitude d'être politicien, cynique, cocomique, économique. Tu n'as pas réussi à satisfaire tes désirs, tu t'adresses à l'alcool. Tu es intéressée un peu grosse? Non, gosse, non, 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 non. Non, mais en vedette, les sentiments dans l'amour et pas dans la sensualité, Mimi. En fait, il te prend pour une pute. Merde. On a un problème. J'espère qu'il va pas français, le mec à côté de nous. Mais... Ah, il y a des... Ah merde, non, il y a personne. On a un restaurant. Et le mec il est trop beau, du coup on veut y aller parce qu'il est vraiment beau. On arrive... Si moi j'ai écouté parce qu'il fait, en fait il fait ça le jour même, ou la veille, la moussaka. Ouais, ouais, ouais. Ça c'était maison, il a dit que tout était maison. Je veux bien prendre une salade moi, je sais pas pourquoi je veux... Mais il est trop chou et il est beau et l'endroit est beau, je trouve. Je sais pas si on va m'entendre, mais on a décidé donc de venir manger dans ce restaurant là parce qu'il y a tous les serveurs, mais genre tous, ils sont canons. Et à un moment donné, je vais dans l'allée et je vois le mec, il me regarde, je le regarde et je bégaye parce qu'il est vraiment beau. Et j'ai dit oui, we want to eat, je sais pas quoi ce que j'ai raconté. Et du coup, on s'est installé. Mais c'est très sympa, la carte est en français en plus, donc ça c'est cool. Oh, sorry. Sorry, not sorry. On a goûté du miel. Je pense qu'il y avait du CBD à l'intérieur, là je suis dans un état. Depuis elle voit des abeilles partout. Bon petit débrief, c'était cher pour ce que c'était je trouve. Mais on avait un très beau spectacle de mecs. Ils étaient vraiment tous beaux. Mais comme par hasard on s'est fait saluer par une meuf, on était tous ravis, voilà, on était dégoûtés. Là on est en train de chercher des putains de savons. Des savons qui massent. Écoute,
Elle veut que ça soit plié en quatre, le drap. Non, mais je comprends pas, moi, regarde tes draps. C'est pas ça un lifet. Non, c'est pas ça un lifet, bah je oui, confirme. C'est vrai qu'ils laissent ça comme ça. Mais non, ils le mettent eux volontairement. Oui, ils le mettent eux, alors que nous on met le lit, enfin le drap normalement, comme à la française. Bah oui. Comme chez tout le monde. Bah oui. On n'a pas trouvé les savons à 2+1 offerts, on est dégoûté, on a eu un problème de neurones, je sais pas, on n'arrive pas à les retrouver. Du coup, on verra demain. En attendant, je vais manger mon putain de. J'ai mangé mon yaourt. Du coup, ces yaourts-là sont vraiment extrêmement mauvais. C'est immangeable. Et on en avait pris 4. Et là, c'est le 4e que je dois manger. C'est vraiment immangeable. Et du coup, je le mange maintenant, comme ça, c'est fait. Demain, je n'aurai pas à remanger ça. Du coup, demain, on se lève à. Putain, il est 22h19, ça va. On se lève à 7h. 7h, parce qu'il faut qu'on finisse les valises. Il faut qu'on s'asseye sur les valises sans casser les statues. Faut qu'on mette les valises dans les box et qu'on se casse à l'activité. Et j'ai hâte. Même si le son ne sera pas vraiment ouf, je mettrai des sous-titres au cas où. Ou je mettrai une belle musique pittoresque et titanesque. Donc écoutez, voilà pour cette journée. À demain pour de nouvelles aventures dans ce vlog voyage très périlleux.